I mean, how can you go from saying you like me to vanishing into thin air? Like, maybe I misheard him, or he meant it in a friendly way? Did I do something to make him change his mind? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien pour la dernière fois. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo. Non, mais finalement, c'est à la fin que je dis ça. Mais n'hésite pas à mettre un j'aime quand même. Ça fait toujours plaisir. Tu es libre aussi de t'abonner si tu veux t'arriver. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de la chaîne, c'est pas te permettre d'être déter, passer à action et créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer l'arnaque, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est Zion, ok? Zion, en gros, tu verras toutes les stratégies pour pouvoir devenir indépendant financièrement. Il y a un groupe privé. Tu verras tout ce qui est... gars, il y a grave des choses, gars. Ok? Donc, check dans la page de vente, ok? Si tu vas aller plus loin avec moi, si jamais tu veux être indépendant financièrement, faire partie des 10%, check. Il y a tout ce qu'il faut, investissement, contenu exclusif. J'ai fait un pack complet, ok? Les gens pensent que je suis un taré de faire une offre comme ça. Bref, et ce qui est sûr, c'est si jamais tu fais rien, il ne va rien se passer. Ça, je te le garantis. Ça, c'est 100% sûr, ça. Ok, et passons directement au sujet de la vidéo. You know what's the easiest way to get into a girl's head and live there rent free? Tell her you like her and then just get abducted by aliens. So I recently had this guy tell me to my face that he liked me, I think. And I was just like so caught off guard. Because in our 20s, we still like to act like middle schoolers and men make us torture ourselves trying to figure out if they're actually into us or not. So when this guy straight up told me that he liked me, my brain was like, my mind didn't know how to process it. Like, you're telling me there's no chase involved? What's a girl to do without her toxic mind games? Like, what am I supposed to say to that? Thank you? But it's not like he told me he loved me. So the only appropriate reaction would be to chug my drink, duh. Obviously, I told all of my group chats about this, and my friends were like, well, do you even want to date him? And I was like, no, because at the time, I didn't like him or even think about him that way. And then they were like, well, did he ask you out? And I was like, no, but maybe he will later. But he never fucking did, and I literally never heard from him again. You're probably like, well, that's a good thing, right? Because you didn't even like him. But no, I'm fucking invested now. I mean, how can you go from saying you like me to vanishing into thin air? Like, maybe I misheard him, or he meant it in a friendly way? Did I do something to make him change his mind? Somehow went from not liking this guy to thinking about him all the time, and I'm just questioning my entire existence right now. My stupid brain has even managed to conjure up an entire future with this man. I have visions of me delivering my second baby in the hospital with him at my bedside. So I went from not giving a shit about this man's existence to becoming completely obsessed with him. So moral of the story is, I'm psycho. Tu vois, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ça m'a rappelé exactement ce qu'il avait dit Morgan Freeman, parce que Morgan Freeman avait dit qu'il faisait exactement la même chose. Il avait dit ça, vraiment. J'avais fait une vidéo d'ailleurs qui avait bien fonctionné, où j'avais pris l'extrait où il disait ça. Et voilà, il disait qu'en gros, il arrive, il fait part de son attirance envers la femme et après il disparaît. Et après, il disait qu'après, il vient à toi tranquillement. Alors évidemment, les gars, qu'il faut travailler sur soi. Si jamais tu es obèse, si jamais tu n'as pas d'objectif, que tu vis chez tes parents, tu auras beau faire le mec « ouais, je te kiffe » et machin, et tu disparais, elle va dire « bah, bon vent ». Qu'on soit clair, les gars. Okay? Il n'y a pas de hack, je sais pas quoi. Enfin, il y a des hacks si jamais tu as travaillé sur toi. Parce que la femme qui en parle là, elle avait sûrement d'autres options. Okay? D'autres options qui devaient avoir le même niveau de gars. Le gars qui a fait ça, c'est un gars qui a quelque chose. Okay? C'est pas un gars qui a pas d'objectif, qui a rien. Il a forcément quelque chose. Et c'est juste que faut pas oublier, les gars, que les femmes, elles ont l'attention de beaucoup d'hommes. Et que des femmes, même qui ont des 6, je connais plein de 6 qui sont avec des millionnaires. Donc même un 6 a l'attention de personnes qui ont de la réussite, qui charbonnent, qui travaillent sur eux. Si tu es un homme et que tu ne travailles pas sur toi, si tu essaies de faire des stratégies en pensant que c'est un hack magique, que tu vas jouer sur la nature féminine, sur son cerveau, tu vas l'influencer, etc. Non, tu te fous le doigt dans l'œil. Donc de base, je préfère quand même remettre les basiques, les gars. Si tu ne travailles pas sur toi, tu auras beau faire tous les hacks, les 5 textos magiques, je ne sais pas quoi, ça ne marchera pas. Et plus tu vas travailler sur toi, plus le taux de conversion va augmenter. Donc si tu ne comprends pas ce que je veux dire par le taux de conversion, c'est que tu ne comprends pas le game. Ok, donc c'est un numbers game, le marché du dating, surtout de nos jours.
Avant, ça ne l'était pas. Maintenant, c'est un numbers game. Si tu parles avec qu'une seule meuf en ce moment, c'est sûr que tu es en galère. Et c'est sûr qu'elle a le levier et c'est sûr qu'après, tu vas la perdre. Bref, de toute façon, tu as Zeus en description, Funnel Tinder aussi, pour aller plus loin par rapport à ça. Donc du coup, pourquoi elle devient folle lorsque le gars, il l'ignore? Tout simplement parce que, premièrement, elle se dit, ce gars-là, il est busy, mais qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est des choses qui l'excitent, ça. Tu vois, ça me fait penser à Bailey, la chanteuse, là, comment elle s'appelle? Chloé Bailey. Donc Chloé Bailey qui avait dit, ouais, quand j'appelle mon gars, j'aime bien que genre, il ne me réponde pas tout de suite. Quand il ne me répond pas tout de suite, en fait, ça m'excite. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Il est occupé, tout ça. Ouais. Pourquoi? Parce que les femmes aiment les hommes qui sont focus, qui travaillent sur leurs objectifs, qui veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Il n'y a pas de secret. Là, elle a super bien verbalisé Chloé Bailey. Normalement, les femmes, elles ne le disent pas ou peut-être qu'elles ne se rendent pas compte. Mais ouais, le fait que le gars soit occupé et qu'il charbonne, ça veut dire que c'est un gars qui est déter. Même si tu n'es pas encore riche, le fait que tu charbonnes, elle se dit, ah, potentiellement, c'est un gars, ok. Lui dans l'avenir, parce que la femme regarde le futur de l'homme, alors que l'homme regarde le passé de la femme. Elle se dit, oui, c'est un gars, ok, il va pouvoir pourvoir en termes de sécurité financière, il va pouvoir être un bon père pour mes enfants, mes enfants auront un bon exemple. Il y a tout ça qui joue, tu vois. C'est pour ça que les femmes sont difficiles. Les femmes sont difficiles parce que déjà, d'une part, elles ne peuvent avoir qu'un seul enfant par an. Donc, il faut qu'elles fassent attention quand même. Il ne faut pas que ce soit n'importe qui devienne le père. Et d'autre part, il n'y a pas d'autre part en fait. Après, tu me diras, il y a des femmes, elles font des enfants comme ça, et après elles disent, ouais, non, mais bon, j'ai fait un enfant avec lui, mais finalement, non, c'était pas un bon gars. Ouais, mais c'est toi qui l'as choisi. Hein. L'homme contrôle l'accès à la relation long terme, mais la femme contrôle l'accès au sexe. Donc, s'il a eu du sexe avec toi, c'est parce que tu l'as autorisé à avoir. Ça veut dire que tu l'as choisi. Donc, après, assume. Deuxième chose qui se passe, c'est que ça fait un peu genre mystérieux. Oh là là, elle est mystérieuse, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, elle a super bien exprimé dans la vidéo, la fille. Elle est là, oh, mystérieux, mais qu'est-ce qui se passe? Il a été enlevé par des aliens? Voilà. Et ça, tu sais, les femmes, elles aiment le mystère. Oh, le mystère, oh là là, je ne sais pas. Oh, je suis perdue avec lui. Oh, oh là, il est tellement mystérieux. Ah bon. Troisième chose aussi qui peut jouer, c'est qu'elle se dit, il y a d'autres options. Donc vite, parce que les femmes, elles aiment. Les femmes veulent avoir l'homme que les autres femmes veulent avoir. C'est pour ça qu'à chaque fois, d'ailleurs, on en a parlé. À chaque fois qu'elle rencontre un homme, elles vont demander aux filles qu'est-ce que toi penses. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais. C'est-à-dire que c'est comme ça. Ça à comprendre, ok? De toute façon, tu vas en savoir plus. Zeus, Secret Nature Féminine, ça coûte 7 euros, les gars. Arrêtez de chialer. Hein. Donc, du coup, si elle pense que tu as des options, du coup, elle veut vite saisir le magot avant que ce soit une autre qui le prenne avant elle. Surtout qu'à la base, tu lui avais dit que tu l'as kiffé, là, et là, donc elle se dit, attends, vaut mieux pas que je perde, on ne sait jamais. Voilà. Et ça revient à ce que j'ai dit de base. Il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu aies plus de statut, plus de charisme, plus d'argent. En tout cas, tu aies une situation financière stable au moins. Que tu comprennes la nature féminine, que tu sois un leader, tu sais comment agir, tu vois. Bref. Et dernière chose, c'est que tu n'agis même pas comme les autres. Donc même si, par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur soi, on va dire qu'il est à peu près le même niveau que toi, c'est peut-être un 7, le gars, et lui aussi, il a un travail stable, et il est, je sais pas moi, il est bien, il est in shape et tout, mais par contre, il connaît pas la nature féminine. Voilà. C'est pour ça qu'il y a deux sur la description. Eh les gars, il connaît pas la nature féminine, donc du coup, il sait pas comment agir avec la femme. Et du coup, la meuf, elle le prend pour un bêta, en fait. Elle le prend pour un simple. Qu'est-ce qu'elle fait? Même si il est attractif, et c'est pour ça que je dis souvent dans mes vidéos, les hommes ne sont pas votre but, les gars, ce n'est pas d'être beau. Même si le gars il est beau, etc., mais que genre il se comporte pas comme un homme, elle va juste utiliser, elle va être comme un simple, elle va prendre son argent, etc. Voilà, elle va l'utiliser juste pour son argent ou elle va rester avec lui, mais elle aura mal à la tête tous les soirs. Okay. Voilà, bref, c'est tout ce que je vais te partager par rapport à cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ok, si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis allé ton camp.